Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Snapshot sur Minecraft. Voici sur un Snapshot 21W37A. Donc oui, nous revenons enfin au Snapshot normal de Minecraft. Nous avons eu 7 Snapshots expérimentales qui n'étaient pas disponibles sur le launcher et qui du coup il fallait installer manuellement. Maintenant, cette Snapshot qui est à 37A est disponible dans votre launcher si vous êtes sur Java Edition et vous allez pouvoir profiter justement de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de la 1.18. Donc il y a des nouveautés dans cette snapshot d'ailleurs, mais évidemment le gros des fonctionnalités c'est ce qu'on a vu pendant les 7 snapshots expérimentales. Donc ça inclut le nouveau terrain, les nouvelles cavernes, les nouveaux biomes aussi souterrains, ainsi que les nouveaux biomes au-dessus à la surface qui sont faits pour générer les nouvelles montagnes. Vous devez voir d'ailleurs qu'il y a une énorme montagne derrière moi, je vais vous la montrer après. Du coup dans cette vidéo de snapshot, je vais quand même vous résumer vite fait tous les changements au niveau du terrain pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les snapshots expérimentales, mais on va aussi voir évidemment les nouveautés de cette snapshot en particulier. Et du coup, évidemment, ça semble logique, vu que le snapshot sort maintenant vraiment de manière officielle, ça veut dire qu'ils sont vraiment en train de travailler à pleine vitesse sur la 1.18 pour sa sortie d'ici le mois de décembre normalement, donc ça devrait plutôt être sympathique. Aussi, une autre petite news, c'est que c'est le 16 octobre, oui, il me semble, c'est le 16 octobre. Il va avoir évidemment le Minecraft Live, qui est un live où ils annoncent toujours les nouveautés, ainsi que la prochaine mise à jour. Donc ça aussi, je le ferai certainement en vidéo, vous aurez un résumé et tout ça, de ce qu'ils vont annoncer. Et donc on devra avoir le thème de la 1.19 à ce moment-là. J'espère que ce ne sera pas trop une grosse update, parce que ça ferait beaucoup d'updates qui suivent, mais bon. Commençons donc cette vidéo par le plus impressionnant pour ceux qui n'ont pas encore vu. Le nouveau terrain ainsi que les nouvelles montagnes. Donc ici on a un parfait exemple des plus belles montagnes que vous pouvez avoir sur cette 1.18. Elle est juste massive, extrêmement classe, un petit peu buggée par moment avec de l'eau qui dévale un petit peu de manière aléatoire dirons-nous, ça c'est sûr. C'est un site d'ailleurs qui m'a été donné par un abonné sur Twitter, merci à toi Grégory444. Je vous le donnerai en fin de vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et du coup, ben déjà là, on peut voir plusieurs choses qui concernent la nouvelle génération. Donc c'est évidemment nouvelles montagnes qui sont séparées des anciennes montagnes. Donc vous trouverez toujours des anciennes montagnes pour ceux qui se demandent. Ça, c'est un nouveau biome. Et du coup, il y a même plusieurs biomes qui composent ces endroits. Donc si je fais F3, vous pouvez voir que je suis dans un biome Lofty Peak. C'est un des nouveaux biomes de montagne. Vous avez aussi le Snowcap Peak, évidemment il n'y a pas vraiment de nom français pour ces biomes là. Nous avons aussi les Snowy Slopes comme ici. Donc les Snowy Slopes ce sont plus genre des sortes de collines recouvertes de neige que vous verrez toujours en bord des montagnes. Donc ça c'est certainement une Snowy Slope par exemple. Et nous avons aussi d'autres biomes qui vont se combiner avec justement ces nouvelles montagnes sur le bord de celle-ci. Donc notamment le Groove. Le Groove c'est un endroit où vous avez beaucoup de bois comme le Taiga. Ici, donc des sapins basiquement. Donc c'est pour faire la transition vers l'énorme biome montagne avec de la neige. Mais vous avez aussi des nouveaux biomes de montagne pas forcément enneigés. Donc ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. On en verra après. Nous avons aussi d'autres biomes comme le Meadow qui est un de mes préférés. Donc là c'est le Meadow comme vous pouvez voir. Le Meadow est une sorte de... C'est pas un biome montagne, c'est plus un biome avec des grosses collines, avec énormément de fleurs par-dessus. Et il faut savoir, les villages peuvent spawner dedans. Donc vous aurez des villages de meadow qui ressemblent aux villages de la plaine d'ailleurs, et qui sont plutôt classe. Du coup, pour pas trop contraster avec les biomes chauds, vous avez aussi une variante, comme j'ai dit, d'un biome montagne, on va dire chaud. Donc c'est le Stony Peak, donc c'est un pic de pierre littéralement, avec aucune neige par-dessus. Et des fois, ils se génèrent quand même à côté d'un biome neige. Ça dépend un petit peu de la température. Donc, vous voyez qu'à gauche, il y a des biomes plutôt naturels ou plutôt tempérés. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des montagnes de neige, alors qu'à droite, il y a une jungle. Donc, forcément, près de la jungle, il ne faut pas de la neige. Donc, c'est pour ça que le Stony Peak se génère juste à côté. Donc, ils ont fait ça pour éviter d'avoir des transitions trop brutes où vous allez de la neige littéralement vers un biome jungle, ce qui ne serait pas très beau. On voit d'ailleurs aussi une des nouvelles fonctionnalités tant que je suis devant, qui fait que maintenant, quand vous avez beaucoup de pierres sur le sol, notamment avec les plages de pierres, comme on peut le voir là-bas, il y a pas mal de plages de pierres, ils ont retiré le fait qu'il y avait des blobs, comme on dit, donc c'est des grosses boules de granit ou de diorite. Donc maintenant, vous aurez des sortes de lignes qui se génèrent dans la pierre, comme si c'était des strates,
Et vous pouvez en avoir même de calcite, vu que la calcite, c'est un des nouveaux blocs, je vous rappelle, de l'1.17 qui se génère près des géodes. Mais le problème avec les géodes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de calcite dedans. Donc là, ça vous donnera beaucoup plus de calcite à farmer pour faire vos builds ou autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était les nouveaux biomes de cet 1.18 au niveau de la surface. On va voir évidemment les biomes sous la surface. Il y a aussi un énorme changement qui accompagne ces nouveaux biomes. C'est une nouvelle génération du terrain. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant. Notamment, bah, évidemment, les énormes montagnes. Mais aussi le fait que vous avez des énormes falaises comme ça avec des grottes qui se génèrent. On parlera des grottes juste après. Donc ça, c'est quelque chose qui a pas mal été changé. On l'a vu pendant toutes ces snapshots expérimentales, ils ont énormément retravaillé la génération du terrain. Il y a beaucoup de choses à dire, on peut le dire. Donc déjà, les nouvelles montagnes qui montent jusqu'à pas mal haut, ils peuvent monter jusqu'à 256 blocs, mais quand ils atteignent cette limite, ils vont s'arrêter brusquement. C'est parfois un petit peu bizarre, donc vous voyez qu'ici c'est à peu près plat. C'est tout simplement pour donner de la place aux joueurs pour construire par-dessus. Parce que je vous rappelle que nous avons évidemment la nouvelle hauteur dans cet 1.18 qui est de 384 blocs au total. Donc ça fait 320 blocs positifs et moins 64 blocs négatifs. Donc 384 au total. Et du coup, ben, ces montagnes-là en tirent partie, mais vous laissent toujours un petit peu de marche par-dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous avons aussi le fait que maintenant, vous aurez des régions beaucoup plus montagneuses. Donc là, c'est le cas. Hein. Il y a pas mal de reliefs, des petites montagnes, des snowy slopes et tout ça. Et du coup, ben, c'est un petit peu plus dur de voyager dans ce genre d'endroit. Nous avons aussi des changements au niveau des rivières maintenant qui se génèrent beaucoup mieux. Donc les rivières traverseront plus facilement les biomes et ne se feront plus couper maintenant. Mais de temps en temps, pour ajouter de la variété, les rivières s'arrêteront, tout simplement. Donc de temps en temps, vous le verrez, juste une rivière s'arrêter et un endroit qui aurait pu accueillir une rivière, mais il n'y en a pas tout simplement et c'est pour faire un petit peu de variété parce que jusqu'à maintenant dans Minecraft, c'est toujours genre... Enfin, ça a toujours été biome, rivière, donc ça permet de casser ce cycle de répétition. Et je trouve que le résultat est vraiment sympathique. Est-ce qu'il est parfait? Non, il y a toujours de petits endroits où vous verrez une rivière se faire couper alors qu'elle ne devrait pas se faire couper, donc ne soyez pas étonnés. On a un magnifique groove avec un village. Ouh, c'est la première fois que je vois un village naturel dans un groove, donc ça c'est plutôt classe, un parfait exemple. Nous avons aussi un petit peu de variété ici. Un truc que vous allez voir aussi, c'est que certains biomes, comme par exemple ben, la Dark Oak Forest, normalement se génère pas sur une colline comme ça. Eh bien, maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de variété. Des fois, vous aurez des énormes collines avec une Dark Oak Forest. Des fois, vous allez avoir une énorme colline avec un biome en plein milieu qui est plus bas et genre ça entoure ce biome et c'est plutôt classe. C'est un petit peu le cas ici, mais pas trop. Vous allez avoir aussi beaucoup plus de microbiomes. Donc, par exemple, ici, on le voit, cette Birch Forest n'est pas très grande et genre se mélange un petit peu aux autres biomes, donc c'est plutôt classe. Nous avons aussi un petit bout de jungle juste ici qui poque le bout de son nez pour rajouter un peu de variété. Donc ça, c'est aussi un des nouveaux changements de cet 1.18. Vous aurez plus de microbiomes, plus de mélange, plus de cohérence entre les biomes et beaucoup moins de « Oh, il y a un énorme biome, il y a une rivière, et puis oh, il y a un nouveau énorme biome. » Et du coup, quelque chose qui est beaucoup plus varié parce qu'avant, c'était prévisible, on peut le dire. Voilà d'ailleurs un autre exemple de ces magnifiques nouvelles rivières qui traversent vraiment. Et là, elle a failli se faire couper, mais pas tout à fait. Vous pouvez quand même traverser avec l'arme, parfois, si vous voulez pas vous mouiller les pieds. Donc ça, c'est plutôt cool, ou juste sauter par-dessus la rivière, vu la peu d'épaisseur. Ils ont aussi changé au niveau de un petit peu les océans et le bord des océans. Donc vous voyez que maintenant, nous avons beaucoup plus de plages de pierre. C'est pas le plus fréquent, hein. Vous aurez toujours beaucoup de plages de sable, mais les plages de pierre seront beaucoup plus fréquentes et ça donne beaucoup plus de variété selon moi. Je rappelle aussi qu'il n'y a plus les blobs dedans, donc ça fait beaucoup moins moche. Ça fait vraiment une vraie plage de pierre. Nous avons aussi des changements au niveau de l'océan, mais surtout au niveau des failles que vous aviez dans les océans. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de failles qui se généraient. Maintenant, vous en avez toujours, mais ça concerne un petit peu les grottes, donc j'en parlerai après. Pour ceux qui ont peur d'avoir trop de relief pour construire, je vous rappelle toutefois qu'il y aura toujours des biomes assez plats. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des zones très plates par moment. Il y a vraiment une variété, en fait. À des endroits, vous aurez beaucoup de relief, et puis vous allez vous déplacer à un autre endroit, et vous aurez une zone globalement plate et très peu de montagnes sur aussi bien plus d'un millier de blocs. Donc ça,
c'est quelque chose qui vous incite à explorer et essayer de trouver ce qui vous convient le mieux. On a un village ici qui s'est généré. Vous voyez qu'il y a une petite savane qui se génère de manière différente par rapport à avant. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles maintenant. Elles ont vraiment perdu cette forme très générique qu'elles avaient auparavant, si vous vous souvenez. Où vraiment c'était, oh, il y avait une savane plate, et puis, oh, il y avait une savane qui montait d'un coup, et elle finissait en plateau. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Du bambou, très classe comme ça dans l'eau, franchement. Et nous avons aussi un magnifique exemple du Mesa aussi, qui a beaucoup changé. Le Mesa était aussi très générique avant. C'était une zone plate, et puis une zone avec des plateaux. Maintenant, vous pouvez voir que ça fait une génération beaucoup plus logique, qui varie beaucoup plus. On a un magnifique portail ici qui s'est généré, qui se mélange aussi aux autres biomes. Donc là, on a de la jungle qui se génère un peu partout. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, quand vous regardez là, nous avons aussi les nouvelles grottes, on va en parler après encore une fois, qui se mélangent à tout ça et qui rajoutent encore plus de variété. C'est franchement hyper classe. Vous avez aussi, alors je dis c'est Mesa, mais c'est Badlands normalement le nom du biome. Vous avez aussi les Badlands Shattered, donc les Badlands qui ont des pics. Ça, ils en génèrent beaucoup plus maintenant. Ils les ont même corrigés pour qu'ils aient plus de problèmes avec de l'eau. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ça vous donne une variation encore plus, justement, de cette nouvelle génération. Donc, je vous invite vraiment à explorer les mondes en 1.18. Vous allez le voir, il y a beaucoup plus de variétés. Et des fois, vous tombez sur des paysages qui sont juste magnifiques, qui ne requièrent, selon moi, aucune modification pour faire une magnifique base. C'est quelque chose que j'ai toujours fait dans mes saisons d'Holicube, modifier le terrain énormément pour que ça colle à ce que je veux faire, mais au final maintenant, ouais, il y a du terrain qui conviendra à la plupart des gens. Il suffit juste d'explorer un petit peu et vous finirez par tomber dessus. Donc je pourrais continuer de vous en parler pendant 3 heures de tous les petits changements qu'ils ont fait au niveau de la génération, mais honnêtement le mieux c'est aller expérimenter par vous-même. Maintenant passons sous le sol, nous avons évidemment les nouvelles grottes qui avaient été montrées dans les snapshots de 1.17 et puis finalement je vous rappelle qu'ils avaient séparé l'update en deux. Donc ça on les connaît bien, ces grottes là je vais pas vous les montrer pendant 3 heures. Les voici, nous avons évidemment les énormes grottes qui se génèrent, nous avons aussi le Deep Slate à partir de la couche 0 qui se génère. Nous avons aussi la nouvelle génération de minerais qui a changé un petit peu parce que notamment vous pouvez avoir du diamant à partir de la couche 0 jusqu'à la couche moins 64. Et vous avez aussi les nouveaux énormes gisements de minerais, donc notamment dans le tuff, de temps en temps vous aurez beaucoup de fer, et dans le granit, dans certains biomes, vous aurez beaucoup de cuivre qui se générera aussi. Donc tout ça, on l'avait déjà un petit peu vu par le passé, et du coup, yep, ils les ont encore un petit peu tweakés, hein, il faut le savoir, et ils ont aussi rajouté les nouveaux biomes souterrains. Donc là notamment, nous avons une micro lush cave, on peut le dire, c'est vraiment une toute petite lush cave. En temps normal, il y en a des plus grandes. Je vais aussi un petit peu réduire la distance de vue parce que ça va être beaucoup plus difficile pour vous de voir ce qui se passe. Et du coup, vous avez évidemment le biome Lush Cave qu'on avait déjà pu voir, qui avait été un petit peu introduit dans la 1.17 mais finalement pas utilisé, mais que vous pouviez quand même utiliser en utilisant des data packs. Et nous avons aussi le biome Dripstone qui se génère maintenant dans cette 1.18. La génération est un petit peu aléatoire, donc vous pouvez voir que là, il y a une région clairement avec du dripstone. Et par là, nous avons clairement une région avec du lush cave et un énorme mineshaft. La vache, c'est classe. Regardez ça, quoi. Vraiment classe. Donc ça se génère de manière naturelle. Il nous manque toujours un des nouveaux biomes de la 1.18, il faut le savoir. C'est le Deep Dark. Ce sera un biome qui se générera vers le bas du monde et qui aura justement le nouveau mob agressif, celui qui entend le bruit qui vient vous attaquer. Un autre truc aussi que vous devez remarquer, c'est que maintenant les biomes sont verticaux, donc ça c'est quelque chose qui a été changé pour justement accommoder plus facilement les grottes. Donc là nous avons un lush cave, mais juste en dessous il n'y a plus de lush cave, ça se voit clairement. Donc si on regarde avec F3, on peut voir que nous sommes juste dans un biome tall birch forest. Okay. Mais si je vais par là, nous sommes dans un biome Lush Cave pendant juste un court instant. Donc les biomes sont verticaux maintenant. Ça donne des trucs assez buggés par moment. Donc je vais vous donner un exemple. Je me mets là à la surface. Ok, c'est un Tall Birch Forest. Je monte dans les airs. Et voilà, maintenant j'ai un Flower Forest. À plus de 200 blocs dans les airs. Donc c'est un petit peu bizarre. Il semblerait qu'ils ont changé la génération, plutôt la distribution du biome pour que il y a beaucoup de variétés, qu'il y ait peut-être aussi bien un biome qui se génère par-dessus une montagne, mais que vers le côté en dessous d'une montagne, ce soit un autre biome. Ça donne des résultats très sympathiques selon moi,
Mais faites attention, si vous utilisez la commande LockedBiome, vous allez avoir des mauvaises surprises par moment. Donc, yep. Et donc, c'est à peu près tout pour les grottes. Il y avait aussi une variété avec notamment les biomes océans, où vous aurez les grottes qui traversent beaucoup plus facilement la surface, ou plutôt le fond de l'océan, et vous donnent même des grottes aquatiques assez énormes. Donc ça, c'est encore une chose que je vous dirais un petit peu d'explorer par vous-même et d'admirer. Mais bon, les grottes, comme on les a vues, ou plutôt comme on les voit actuellement, on les a déjà vues pas mal dans l'1.17 et les snapshots. Donc je ne vais pas non plus m'attarder trop là-dessus. Maintenant, ce qu'on peut parler, c'est le fait que ces grottes, évidemment, percent à la surface et sont visibles bien souvent et vous donnent des résultats vraiment épiques. Donc là, c'était le biome montagne que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Et comme vous pouvez voir en dessous, nous avons une falaise avec une grotte qui se génère le long de cette falaise. J'ai déjà vu plusieurs fois ça, donc je pense que c'est fait exprès dans le code que ce genre de choses se génèrent. Et c'est franchement épique, c'est très classe même. Vous avez des énormes piliers de stone qui descendent sur la surface de l'eau. Ça fait très naturel, ça fait très beau. Il y a des petits bugs comme vous pouvez voir ici de temps en temps, mais globalement le résultat est épique. Et du coup, vous en verrez souvent ça. Vous verrez souvent des grottes juste dépasser la surface, donner un côté beaucoup plus intéressant au terrain. Et c'est un mélange avec le nouveau, justement la nouvelle génération qui est, selon moi, épique. Donc là, par exemple, on a un énorme trou. C'est une grotte qui se génère avec de l'eau en dessous. Des fois, vous aurez des énormes falaises. Voilà, ici un petit peu, encore une fois, nous avons une grotte qui se génère. Donc c'est exactement ce que je vous parlais quand ça se mélange. On va passer en spectateur pour mieux aller voir. Voilà, et on peut voir aussi que des fois ça se connecte à un énorme réseau de grottes. Donc là on a une énorme grotte sous la montagne, donc c'est encore une fois très épique. Là on a une grotte, donc ouais, ça se mélange assez bien. Ils ont beaucoup tweaké ça et je trouve que le résultat est très sympathique. C'est pas au niveau de ce qu'on avait pu voir notamment dans les montagnes au niveau de la Bedrock Edition où vous aviez des grottes de glace qui se généraient sous les montagnes. Donc là ça se génère sous le biome montagne, mais vous pouvez voir qu'il y a un peu de neige qui se dépose dedans, mais il n'y a pas vraiment de glace ni rien, donc c'est un petit peu dommage qu'il manque cette occasion. Mais yep, c'est quelque chose qui, honnêtement, par rapport aux anciennes versions de Minecraft, les anciennes versions de Minecraft au niveau de la génération de terrain étaient nulles. Franchement, c'était nul par rapport à ce qu'on voit maintenant, c'est complètement épique. Donc ça, c'était à peu près tout au niveau de la génération du monde. N'hésitez pas à tester par vous-même. Maintenant, passons à des changements qui concernent ces snapshots aussi en particulier. Notamment le fait qu'ils ont rajouté une nouvelle option assez importante qui s'appelle Priority Update. Ça vous permet de définir la priorité, ou plutôt comment sont chargés les chunks autour de vous. Donc le nouveau setting, c'est None. Avant la 1.18, c'était Nurby. Donc c'est-à-dire que ça charge en priorité les chunks vraiment tout autour de vous. Et vous avez aussi un Settings by Player. Normalement, et c'est très important, l'option None et l'option By Player réduisent les micro-freezes. Donc ça veut dire que vous aurez moins de micro-freezes quand les chunks chargent. Ce qui évidemment n'est pas très plaisant quand vous vous déplacez dans Minecraft. Et évidemment quelque chose qui est accentué par le fait qu'il y a quelques montagnes qui montent plutôt haut. Donc vous avez un petit peu plus de micro-freezes dans cet 1.18. Donc cette option aide franchement pas mal. Mais après évidemment le mieux ce serait d'avoir Optifine. Tant qu'on est dans les options, ils en ont rajouté d'autres, notamment dans l'option accessibilité. Vous pouvez désactiver maintenant les flashs des éclairs. Donc ça, si vous avez des problèmes d'épilepsie, ça peut pas mal aider. Nous avons le auto jump aussi qui a été déplacé ici. J'espère qu'il est mis par défaut à off maintenant parce que c'est vraiment très embêtant. Et du coup, comme vous pouvez voir, ça commence à être plutôt complet au niveau de ces options d'accessibilité. Nous avons aussi évidemment l'option monochrome qu'on a vu en 1.17. Ils en ont aussi profité pour retravailler un petit peu le menu contrôle. Donc déjà, vous avez un clic en plus à faire pour aller changer vos contrôles. Et vous avez ce sous-menu ici, où vous avez aussi des options au niveau de votre souris. Donc ça peut être pratique. Et aussi le touchscreen mode. Il n'y a toujours pas d'option pour utiliser un contrôleur dans Minecraft de base. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Surtout avec la Bedrock Edition et tout ça, mais bon. Et surtout le fait qu'ils aient rajouté une option touchscreen, mais bon. Enfin, ça fait longtemps que touchscreen existe. Vous avez le sneak et le sprint ici, hold, qui sont ici. L'auto jump aussi. J'espère qu'il est off. Et du coup, tous les contrôles ici, ce sont ceux que vous avez toujours vus jusqu'à maintenant. C'est juste qu'ils sont dans un sous-menu. Maintenant, toujours dans les nouveautés de cette snapshot, ils ont rajouté une nouvelle police d'écriture qui vient de Minecraft Dungeon. C'est la police d'écriture des e-ledgers, pour information. Donc je vous mets un screenshot à l'écran de quelqu'un qui l'illustre.
Ne regardez pas les blocs, ça n'a rien à voir. Ce que vous regardez ici, c'est la police d'écriture qui permet d'écrire ben, tout l'alphabet qu'on connaît, évidemment. Donc, cette police d'écriture, comme j'ai dit, est utilisée dans Minecraft Dungeon pour le langage des Illagers. Et ça a été rajouté ici dans le jeu. Donc, on ne sait pas encore pourquoi ils pourraient l'utiliser. Tenez compte que c'est une police d'écriture qu'ils ont rajoutée. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser dans des interfaces, par exemple. C'est pas juste quelque chose qui est écrit sur un bloc. C'est vraiment quelque chose un peu comme le langage qu'on a dans la table d'enchant. Donc peut-être que c'est pour un nouveau bloc, peut-être que c'est pour l'archéologie plus tard, même si apparemment l'archéologie ne viendrait pas pour le 1.18. Donc, yep, on ne sait pas trop, mais c'est dans le jeu maintenant. Et maintenant, un dernier changement qui est assez important, qui a été opéré pendant les snapshots expérimentales, c'est au niveau du spawn des mobs. Donc si je passe sous le sol ici, évidemment il fait assez sombre. Je suis en spectateur, donc les mobs ne spawneront pas forcément. Il y en a un qui a spawné quand j'étais en créatif. Le spawn des mobs a été adapté dans cet 1.18, notamment au niveau du fait que quand vous avez un tout petit peu d'éclairage, même un niveau 1 d'éclairage, donc là c'est un niveau 1, ça se voit, le bloc est juste très légèrement éclairé à cause de cette petite plante ici qui a été introduite en 1.17, eh bien les mobs ne peuvent plus spawner. Avant, il fallait un niveau d'éclairage de 7 pour pas qu'ils spawnent. Donc c'est-à-dire que là, ils pouvaient spawner ici sans aucun problème, même avec cette lampe qui est juste au-dessus. Ben, en 1.18, ce ne sera plus le cas. Il n'y aura aucun mob qui spawnera dans cette toute petite zone. Évidemment, je tiens à rappeler qu'avant la 1.18, ils pouvaient spawner là-dedans, mais ils spawnaient un petit peu moins s'il y avait de la lumière hein, quand même. Ils avaient évidemment tendance à plus spawner dans l'obscurité complète. Mais yep, ce changement fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'éclairer les grottes. C'est même franchement génial. Pour moi, j'ai essayé d'évaluer les plus et les contres. Et dans ma conclusion, franchement, il y avait très peu de contre. Les spawners, eux, ne suivent pas cette règle. Maintenant, les spawners peuvent spawner même des mobs quand c'est très bien éclairé. Donc, faites attention. Si vous mettez même des torches, 4 torches dans les 4 coins de votre spawner, ça spawnera quand même. Il faut encore plus éclairer maintenant. Et du coup, c'est pour faire en sorte que les spawners soient vraiment des spawners, quoi. Qu'ils puissent spawner des mobs, même si vous éclairez correctement, afin de vous donner un petit défi. Toutefois, c'est le seul changement au niveau des spawners, ils ont toujours la même tête et tout ça pour ceux qui se demandent, donc yep. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette snapshot. Je pourrais en parler encore beaucoup plus, il y a beaucoup de petits changements par-ci par-là, mais c'est quelque chose que je vais vous réserver pour juste la vidéo de résumé de la 1.18, ce sera beaucoup plus simple. Si vous avez déjà suivi les snapshots expérimentales, de toute manière, vous devez connaître la plupart des choses que je vous ai parlé, et aussi la plupart des choses que je n'ai pas encore parlé ici, parce que c'est trop petit des fois. Nous avons aussi des changements techniques, qui n'intéresseront pas la plupart des gens, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais ouais, énormément de changements avec cet 1.18, et je vous rappelle que la nouvelle génération, c'est évidemment l'un des gros points, mais il y a encore aussi le Deep Dark, le nouveau mob agressif, et d'autres petites fonctionnalités qui devraient arriver dans les snapshots qui vont venir. Donc, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis que ce soit en pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser votre avis que ce soit en pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos snapshot. Et je vous dis, salut à tous!